Please stand, debout s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Michel qui nous a quittés. Qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux et celles que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Swing low, sweet chariot, come and fall to carry me home. Swing low, sweet chariot, and coming for to carry me home. Well, I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. It was a band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, if you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends, Lord, I'm coming to. Coming for to carry me home. Yes, yeah, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well, sometimes I'm up and sometimes I'm down. Coming for to carry me home. But still my soul feels heavenly bound. Coming for to carry me home. Yeah, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Yeah, coming for to carry me home. Frères et sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, ceux et celles qui sont dans la peine, à Colette, aux enfants, toute la famille et aux amis de Michel. Je désire exprimer nos sincères condoléances et sympathies, vous assurer de notre soutien, de notre foi dans la prière. To all the family and friends of Michel, I want to express our deepest condolences and sympathies. Assure you of the support of our faith and our prayer in this time of sorrow. If we have gathered together also, it is to affirm that all the links of friendship and affection that knit us throughout our lives do not unravel with death. Et si nous avons pris le temps de nous réunir à l'église aujourd'hui, une église que Michel a bien fréquentée, c'est pour prendre un temps de recueillement. Un temps de prière, un temps pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie, pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Michel, pour demander au Seigneur de l'accueillir auprès de lui. Tournons-nous donc vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, Seigneur, prends pitié. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant Michel, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. J'invite Roxane à s'avancer pour le psaume et la, pour la lecture et le psaume. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes tous passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais avec des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Vous allez répéter, s'il vous plaît, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. » « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Il me conduit par le juste chemin en l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. I now invite Jason to come for the second reading. A reading from the book of Revelation. I heard a voice from heaven saying, "Write this, blessed are the dead who from now on die in the Lord." "Yes," says the Spirit, "they will rest from their labors, for their deeds follow them." The word of the Lord. Thanks be to God. Debout, s'il vous plaît, please stand. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Depuis samedi dernier, on est attristé par le décès de Michel et on se souvient des choses que l'on a vécues avec lui, de la personne qu'il était, du mari qu'il était, du père qu'il était, du beau-père qu'il était, du grand-père, du frère qu'il était, de l'ami qu'il était. On se souvient de sa gentillesse, on se souvient de sa délicatesse. On se souvient de son amour pour la nature, pour la chasse, la pêche et le bois en général. J'ai encore, à quelque part, dans mes affaires, parce que j'ai déménagé une couple de fois, mais c'est encore dans mes affaires, j'ai encore une croix qu'il m'avait faite à un moment donné. On se souvient des choses qu'on a vécues avec lui, des valeurs qui étaient importantes pour lui, des talents qu'il avait. Quand j'ai choisi cette lecture-là de l'Évangile hier pour aujourd'hui, je pense entre autres quand j'entendais Michel et Colette chanter « Le Seigneur nous a aimés ». Alors, c'est un chant d'Eucharistie, puis le texte de l'Évangile nous rappelle l'Eucharistie. On se souvient de toutes sortes de choses comme ça que l'on a vécu avec Michel. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et ceux qui écoutent sur Internet ont des souvenirs bien spéciaux de lui. Des souvenirs qui chérissent, des souvenirs qui leur sont importants. Et je souhaite que tous ces souvenirs-là que nous avons de Michel, que nous ne les considérions pas comme une histoire qui vient de finir, une histoire qui est terminée. Parce que la vie de Michel sur cette terre est terminée, mais l'existence de Michel est éternelle. Nous croyons en un Dieu qui nous aime au point d'être venu sur la terre, vivre notre condition humaine, jusqu'à mourir sur la croix. Non, il n'y a pas de crucifix comme il faut ici. Le chemin de la croix est alentour. Qui est venu mourir sur la croix pour nous montrer à quel point il nous aime, mais que la mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. C'est la vie qui a vaincu. Jésus est ressuscité du tombeau au matin de Pâques. Et notre vie est avec la sienne. C'est ce qu'on entendait dans la deuxième lecture du livre de l'Apocalypse. Heureux les morts avec le Seigneur, qui sont avec le Seigneur. Heureux ceux qui meurent avec le Seigneur. Ils recevront le repos de tous leurs labeurs et leurs actions les suivront. So as I was saying, all these, since Michel's death, we remember all kinds of things that we lived with him. But all those things, I want them to be not the end of a story, the beginning of a story. Michel's story is eternal. He is called, and it was his faith,
is called to live in the Lord forever. And the readings that we heard today help us to remember some things that were very important for him, some core values in his life that we call faith. Michel was a man of faith, was a man of deep faith. And his faith in Jesus was expressed, lived into actions. The first reading reminds us of being kind to other people, of loving people, that love should be at the center of our life. The second reading reminds us that our deeds will follow us. As we remember Michel to be a kind man and gentleman, it expressed itself in action. It was not just words for him. It was really something living. And his faith was nourished, certainly by all that he loved, especially in the outdoors. He saw the grandeur of God in the outdoors. But his faith was nourished by the Eucharist. Coming to Mass was important for Michel. For many years, he played music, shared his talent of guitar and singing with the Christian congregation assembled for Mass. But even when he was not singing, coming to church was important. Even when he was just coming out of the hospital the day before, coming to Sunday Mass the next day was important for him. This is why I chose the reading of the Gospel, in which Jesus reminds us that he, Jesus, is the living bread. And by feeding from him, by getting him to nourish us in Holy Communion, we feed ourselves for eternal life. We prepare for eternal life. And so those are things that maybe at first sight we forget about Michel's life, or we may not know, but those are the things that are most important, that I invite you to take from Michel's life, along with all the memories you have, and transform your life in the image of God, with the will of God. En transformant notre vie pour être des disciples du Seigneur, en s'inspirant de la foi de Michel, pour développer et faire grandir notre foi, notre relation avec le Seigneur. Michel avait sa relation avec le Seigneur. Nous, on est appelés à avoir chacun de nous notre relation avec le Seigneur. Je nous invite à faire nôtre les mots du psaume que l'on a entendu. Un psaume qui est bien connu. Un psaume qui nous rappelle de faire confiance au Seigneur, de s'abandonner au Seigneur. Qu'avec le Seigneur, on trouve le repos. Avec le Seigneur, on trouve la paix. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Quand on a le Seigneur dans notre vie, c'est ultimement tout ce qui compte.
parce qu'on vit tout avec le Seigneur à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, alors que nous disons notre dernier adieu à Michel, alors que nous le confions à la miséricorde de Dieu, confions-nous, nous aussi, à la miséricorde de Dieu. Demandons au Seigneur d'être là dans nos vies. Laissons-lui la place, ouvrons-lui la porte de notre cœur. Voyons que le Seigneur marche avec nous à travers les épreuves de cette vie. À travers le deuil que nous vivons de voir partir notre ami Michel. Demandons au Seigneur d'être toujours avec nous. May Michel and all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Please stand, debout, s'il vous plaît. Et j'invite Francine à s'avancer pour les prières universelles. Brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, where he intercedes for his church. Confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers to his. And after the English intercessions, we answer, hear our prayer. In baptism, Michel received the light of Christ. Scatter the darkness now and lead him over the waters of death. Lord, in your mercy, hear our prayer. Our brother Michel was nourished at the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. Lord, in your mercy, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son, Lord, in your mercy, hear our prayer. Après les intentions françaises, nous répondrons, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour Michel et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui nous aime tous, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par le Christ notre Seigneur. Please be seated. Veuillez vous asseoir pendant que nous préparons l'autel pour la partie de l'Eucharistie. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, j'en aurais pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois.
un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie, je crois en toi. Hier n'est plus, doux Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi, jour à la fois. Je t'ai rencontré, tu sommes en moi. Oh Jésus, je sais, j'étais si loin de toi, mais tu veilles sur moi. N'oublie pas mon nom, entends ma voix, que ma chanson monte vers toi, un jour à la fois. Un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie, et je crois en toi. Hier n'est plus, doux Jésus, demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ton serviteur Michel, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, et elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Veuillez vous agenouiller. Please kneel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous attendons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Guy de Rocher, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant, Michel, whom you have called from this world to yourself. Grant that he, who was united with your son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With the COVID protocols and all of that, I invite you for the sign of peace to just bow to each other. Pour à cause des protocoles de la COVID et tout ça, je vous invite à vous incliner comme signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Please be seated, veuillez vous asseoir. Pour la communion, Père Cyril et moi allons aller directement dans la foule pour donner la communion. Alors, lorsque nous approchons de vous et que vous voulez recevoir la communion, nous vous invitons à vous lever et à tendre les mains pour recevoir la communion. Nous vous demandons de communier seulement après que nous avons parti, donc gardez votre masque lorsque nous sommes près de vous. For communion, Father Cyril and I will go in the assembly to give communion to those who want to receive it. When we get close to your seat and you want to receive communion, just stand up and extend your hands, keep your masks on, and wait until we have left to remove your mask and to take communion. Merci. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie pour, dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Après notre messe de funérailles, des beignes et du café sont offerts à la salle paroissiale, ici à côté, et si vous voulez rencontrer la famille. Faites à noter que c'est obligé d'avoir la preuve de vaccination pour entrer dans la salle paroissiale pour ce goûter-là. Alors, vous devez montrer, il y aura quelqu'un à la porte qui va demander votre preuve de vaccination. Immediately after our service, little coffee and donuts is being served at the parish hall next door. For that occasion, the proof of vaccination is required, so there will be someone at the door asking you to show proof of vaccination if you want to enter in the parish hall. Thank you for your understanding. Frères et sœurs, le moment est venu de dire adieu à Michel. Nous allons nous séparer de notre frère, nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons revoir Michel dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Michel, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Center of our faith, we believe in the death and resurrection of Jesus. We believe that dying with him, we will rise with him. And we believe that we take part in that mystery already through our baptism. In remembrance of Michel's baptism and the hope of the resurrection, I bless his ashes in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Let us pray. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Michel in a sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon Michel in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us to remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever and ever. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. It's shame.